Il est marrant. Oh, attends, c'est deux mots. Il est trop marrant. Salut tout le monde, c'est Studio Brioche. Aujourd'hui, petite vidéo annonce d'un nouveau challenge qu'on vous lance à vous tout simplement. Donc, comme vous le savez, enfin, certains ne le savent pas, mais de Anne, ça veut dire coach tout simplement. Donc, on vous a lancé tout simplement un challenge de trouver les peuples qui apparaîtra dans notre prochaine vidéo. Donc voilà, ça peut être aléatoirement tout ça. Donc, on va faire attention. Donc voilà, c'est vraiment cuisiné à tous les autres, il y en a vraiment partout. Enfin, ça pourrait être facile de les retrouver. Donc voilà. Donc, ben voilà, vous. Une fois que vous l'avez trouvé. Vous devez donc trouver les coques qu'on a insérées dans le paysage, un peu partout dans nos vidéos. Et une fois que vous les avez trouvées, donc si jamais, quand vous les avez trouvées, vous devez mettre dans les commentaires hashtag coquefesse. Et vous mettez soit la minute où vous l'avez trouvé ou soit le lieu où vous l'avez trouvé. Mais je vous conseille plutôt de mettre le lieu et la minute. Ce sera pour être sûr. Et le hashtag cockface. Donc voilà. Donc bah bon défi et bonne vidéo. Oui, bonne vidéo. Bonne chance. J'aime les mains. Si vous l'avez vu cette œuvre, vous mettez dans les commentaires hashtag j'aime les mains. Allez. Où sont ses mains? On va retourner. Voilà, donc on est à l'hôtel. On est en train de se cette salle. Exactement. Attendez. 32 000 euros. Non, 3 200 euros. 3 200 euros. Voilà. Ensuite. On a les tableaux. Et puis, on a ici une preuve. Donc, avec une main, on ne sait pas d'où elle vient. Alors, ici, on peut peut-être montrer en décalage parce que ça va jusqu'au sol. Ouais. Quand c'est montré. Ouais, donc ce sont des petites mains qui accrochent une grosse main. J'ai l'impression que c'est Albert Einstein. Ouais, possible. Pleine tête de lui. C'est une femme qui est enrobée dans des murs, on peut dire ça comme ça. C'est beau. Ça coûte 6000 euros. Ce sont des mains qui sont enrobées donc dans. C'est une espèce de drap comme ça, avec comme si elles se noyaient. Là, c'est les fesses et là, c'est le dos d'une personne qui est enrobée dans une pomme. On voit le trou de la pomme, c'est trop bien fait. Donc celle-ci, nous l'avons déjà vue, mais c'est plus avec une femme aux cheveux longs, c'est avec une femme aux cheveux courts. Ici, on a donc une main qui tient des mots. Ça, c'est super bien fait, j'aimerais bien la voir. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Quelqu'un avec une queue de cheval qui pleure. Sur un. Alors, donc ici, c'est un peu le même principe que la main qui tient des mots, sauf que elle tient un point d'interrogation. Ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Encore une image du peintre en train. Du sculpteur. Comme ça. Il est énervé. Ouais. Ouais, super jolie. Donc voilà, il y a un peu de vent. Ouais, mais elle est vraiment jolie cette façade quand j'y pense en fait. Franchement, super jolie. Bah,
Bah, ah, surtout qu'elle donne vue sur les expositions. Ouais. Elle est belle cette statue. Ouais. Ben voilà quoi, c'était l'expo. Voilà, tout simplement. On peut rentrer bien dans l'hôtel. Il y a une table de ping-pong. C'est une table de jeu ou quoi? Ouais, c'est une salle de jeu. Et bah là, je pense qu'on va se retrouver au mini-golf. Hein. Ouais, on se retrouve au mini-golf. A tout de suite. Là-bas et vous mettez hashtag le...